Yo, salut les spinners, les clashers. Aujourd'hui, on se retrouve pour la FAQ que je vous avais promise. Nous avons Boom Boom Chica Wow Wow. Toi, t'es un mec ambiancé dans la vie, t'as envie de péter un câble. Bon bref, en tout cas, tu l'as fait sur ton pseudo. Pas grave, on ne juge pas ici. Tu me demandes quels sont les sites où tu achètes tes mods. Alors, je vais le dire une bonne fois pour toutes. Penwish et Pendolsar. Empereur Swag. Stylé. Swag stylé. Qui me demande pourquoi le pen spinning? Pourquoi pas? Tous les dimanches, un tuto? Non. Road to 1 million d'abonnés? Oui. Ou tu achètes des modes pens? Combien de modes as-tu? J'en ai qu'un. Non, en vrai, j'en ai 1, 2, 6, 9, 10, 17. Bon, j'en ai une vingtaine parce qu'il y en a d'autres et j'arrive à spinner avec tous mes modes en même temps. Démonstration. Tumbarong. Swag. Bon, on va ranger ça maintenant parce que c'est pas le tout de faire le con, mais il faut ranger après. Ça, c'est les parties qu'on voit jamais dans le montage. À chaque fois, ils coupent. Et mes parents voient un peu de mal le pen spinning. Tu n'as pas un argument imparable pour qu'ils aiment ça, nous dit Whistler22. Tu leur dis que les cours, c'est un peu ennuyant, que le pen spinning, ça te permet de te concentrer en cours pour mieux écouter ce que le prof dit, être plus attentif. Plus attentif égale meilleure compréhension égale meilleure note égale baccalauréat mention très bien égale métier d'avenir brillant, brillantissime égale monnaie surtout Dame Poxer qui nous dit quel est ton plat préféré? Oh mon dieu, cette question est vraiment très compliquée. Je dirais le soufflé au fromage parce que c'est le seul que je sais vraiment faire et c'est ma petite spécialité tout ça. Vous voyez là, je laisse pousser depuis une semaine, ça commence à gratouiller. C'est quoi ton deck sur Clash Royale? Bah regarde des vidéos Clash Royale. Axo, en fait je sais pas trop prononcer ton nom mais je te connais. Quel a été ton premier mode? Celui-là, celui-ci même, le PDS 6000. Et même c'est celui que j'apprécie encore après des années le mieux. Vous voyez, hop, c'est ces deux-là. PS, j'adore tes vidéos, continue comme ça. Cimer, ça fait plaisir. Voilà. Matteo Sands qui nous demande ta légendaire préférée. Je pense que c'est le sorcier de glace parce que c'est la première que j'ai eue, yes! Non mais en vrai maintenant c'est le cimetière. Parce qu'en fait cette carte elle est tellement drôle. D'ailleurs je vous ferai une vidéo prochainement dessus. Si vous m'explosez les likes, les commentaires, vous partagez cette vidéo, vous mettez un like, vous abonnez, vous... Oh, vous mettez tout, tout! Nous avons Luc, bref, qui demande, tu pourras faire un tuto sur l'index Around? Franchement je sais pas. Dis-moi dans les commentaires combien t'es prêt à sponsoriser pour que je fasse cette vidéo. Et bah après je verrai si c'est dans mes cordes. Comptes-tu continuer les tutos de pen spinning lorsque tu seras plus connu? Bah écoute, quand je serai connu, quand je commencerai à brasser vraiment des billets violets, je pense pas que je ferai de vidéos de pen spinning, vois-tu? Voilà, et continue tes vidéos, tu gères. Ah, donc finalement tu veux que je continue mes vidéos. Donc tu ne veux pas que je sois connu, c'est ça? C'est pas grave. Faki VG qui nous demande, salut! Après, nous avons « Comment as-tu appris tes figures de pen spinning ?» Vidéo YouTube avec un pote ou par toi-même. Bah voilà, mais t'as répondu à la question toi-même. Mais comment tu veux que je te réponde, moi, si tu donnes les réponses? PS, t'es mon YouTuber préféré. Mon ego te répond, merci. Lenad XX qui me demande « Quel âge as-tu ?» Ça t'intéresse? Non, j'ai 18 ans, voilà, super. Ce vieux purée, la vache. Vlog Gwen, Gwen, pas Gwen, hein, Gwen. « Pourrais-tu nous montrer ton stup pour filmer tes vidéos ?» Mon stud. Est-ce que ta figure préférée est toujours le Demon Sonic? Nous demande Iron Man. Iron Man? Waouh! Eh bien, oui, Iron Man. Oui. Et si tu veux que je vienne pour faire part des Avengers, bah, t'as juste à mettre un commentaire sur cette vidéo, s'il te plaît. Parce que moi, je suis chaud. Hein. Alex Zou qui me demande, je n'arrive toujours pas à faire le Sonic et le Reverse. Help! Point d'exclamation. Il n'y a pas de point d'interrogation, je ne peux pas répondre. Je suis désolé, ce n'est pas une question. Almhadgad Kok. COC, hein, pas en anglais. Enfin bon. Vas-tu continuer tes vidéos Clash Royale? Ben oui, hein. Voilà. Et par la suite, faire du Kok? Eh bien non, je suis désolé, je n'ai jamais joué à Clash of Clans. Yatsu! Salut Alpha! Salut à toi! Est-ce que c'est possible que tu m'offres un mod? Si oui ou non? Non! Oh! Je suis vraiment désolé, mais les mods que j'ai ici, en fait, c'est mes Noël, en fait. Foxy, est-ce que tu pourras faire un tuto sur le Ninja High Tua? Non, je ne pourrais pas faire de tuto sur cette dernière figure, parce que, tout simplement, je ne l'ai jamais apprise. C'est une figure où tu fais feu.
Ah ben je suis arrivé. Ok, bon, tranquille. Moi j'ai pas besoin d'apprendre les figures comme ça, je l'ai fait une fois et voilà, c'est tout. Nous avons Nekos. Merci pour ton petit encouragement, il me dit bonne chance pour tes examens. Ça n'a pas marché. Thomas Daga, plop, quelles sont les questions qui me viennent à l'esprit? D'accord, je sens que ça va être bien. Toi t'es un petit rigolo. Ton logiciel de montage, c'est iMovie, voilà, forcément, plus à chier tu fais pas. Comment as-tu découvert le pen spinning? Bah comme ça, sous une frite. Tes spinners préférés connus français? Alors, c'est moi. Spinner préféré mondiaux? C'est moi. Après nous avons Flop24, quel mode choisir? Et nous avons Jean-Louis, François, Alain, Meunier, Xavier, je ne peux même pas voir ton nom en entier, il est coupé. On te reconnaîtra parce que forcément, voilà, t'es là. Toi t'es un vrai. Bref, il dit le PDS 6000, et c'est vrai que c'est le meilleur mode. Dodo fait les vidéos, me demande Tabitou. Tu n'as pas regardé toutes mes vidéos, Dodo fait la météo. Oui, Bertha et qui me dit, salut, ça va? Non mec, ça va pas. Ça va pas. Je me sens mal dans ma vie. Bref, on arrête de penser à tout ça. VX Spin Team qui demande, quel serait ton album de rap de survie? Le seul, le dernier que tu pourrais écouter. Alors sache que cette question, elle me trotte dans la tête depuis que je l'ai vue. Je pense que ce sera celui-là, le dernier album de Dr. Dre. Il y a beaucoup de choses variées, et c'est pour ça que... Oh, George, what did you do? Bon, toi, pareil, on te connaît, t'inquiète, t'es un... Qu'est-ce que tu aimes dans le pen spinning? Tu peux en faire pendant que tu fais des autres choses, permet de t'occuper, faire des trucs stylés, de faire des vidéos, d'ailleurs, de se divertir, voilà, plein de choses. Maître Zelkao, qu'il me demande, t'es plus Lumpal ou Fix Pencil? Lumpal, 100%. Théosto, pour toi, le pen spinning est-il un sport ou un loisir? Alors, mec... Si faire ça, c'est du sport, je serais vraiment fatigué à la fin de la journée, hein. Raikou, bonne chance pour ton examen. Merci, ça me fait plaisir, mais... On arrête. Nous avons Tristan Jamoli qui me dit, fais une dédicace à Ludo du BCC Nyon en disant que c'est un BG de ouf. Alors, Ludo du BCC Nyon, t'es pas un BG de ouf. Oh, clash, et oui, c'est comme ça ici. Après, nous avons M. Ikem qui nous demande, qui est le plus beau entre Thomas et William? Bon, les gars, entre Thomas et William, en fait, je crois que t'as oublié un mec, je crois qu'il s'appelle Léo, il est dans la bande, bon, je crois que c'est lui. Et je le connais pas trop, en fait, je l'ai vu de loin, mais y a pas photo, les gars, y a pas photo. Boum boum, Chika, wow, qui nous demande, combien d'abonnés espères-tu avoir à la fin de l'année? Je te l'ai dit, mec, 7 milliards. Bah oui, non mais faut avoir de l'ambition, hein. Ou tu en as, ou tu en as pas, et après ça marche, ou ça marche pas, c'est relié. L'Explose MH4U, qui nous demande quand sortira une nouvelle musique sur ta chaîne Dream. Prochainement, j'ai un projet qui est en train de se faire, mais je vous en reparlerai plus précisément dans une prochaine vidéo. Et voilà, j'ai répondu à toutes les questions, enfin, j'espère. Vous aviez été vraiment très nombreux à me poser des questions. Il y avait plus de 100 commentaires sous la vidéo, 100 questions, donc voilà, je suis vraiment très reconnaissant. Merci à tous, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis merci, à la prochaine, peace.